métal. Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming. Pour la suite du déluge. Ah, les mecs, ils ont décidé de lâcher la musique, mais en intégrale quoi. Fait non, pas de pitié quoi. Premier Cosca rondin, il a pas l'air très large. Il a pas l'air d'emmener large. J'avais déjà préparé les deux camions. Ah ouais, monstrueux, monstrueux. Vas-y, on va y aller avec lui, y'a pas de raison. Incroyable, ce jeu qui s'est voulu tellement métal. Ça ouf. Trop rigolo. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Sauf qu'attendez la route, ouais, c'est la prochaine. Allez. C'est la prochaine à droite. Bon. Bon, les vidéos américaines juste après celui-là, bon, elles arriveront juste après celui-là. Ça sera uploadé, il n'y a pas de problème. Pas de problème, le retour du grand Bob hein, de toute façon. Ah oui, mais c'est ça, j'avais oublié l'intégrale. Ouais, je vous le dis des fois. Ouais, on va tout ce que t'as. Vas-y, roule tout. Ok, normalement la qualité de vidéo d'ailleurs devrait être plus propre, mais bon, puisque personne ne râle, tout va bien. Hein. Moi je continue comme ça. Personne n'a rien à dire, tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Pourquoi changer d'équipe qui gagne, je dirais. On peut passer en automatique ici. On est des ouf. On est des ouf, on passe en boîte auto. Oh, je suis un thug, je suis un thug. Par contre, on va sur la troisième là. Je l'ai dit quand même, faut pas déconner, bonhomme. Oh, quatrième. Chaud. Ouais, c'est bon. Prends de résistance. Ça roule ma poule. Quatrième. On est des monstres là. Ah, ah j'ai mal le switch. Au secours, je me déteste. Et que je me mette en A+. Non, j'ai vraiment fait cette erreur. Regardez, j'ai ruiné le speedrun. J'ai ruiné le speedrun. Incroyable. Je ne sais plus du tout comment on sert de la pince, hein, mais j'y crois mort. Hein. J'y crois mort, n'inquiétez pas. Ça va se faire. Ça va se faire, il n'y a pas de raison. On peut faire un pseudo crochet farm. Je suis pas en exploration. Hein. Exploration du terrain officiel. C'est que des faux chemins. C'est que des conneries ça. C'est pas des conneries. Très important. Faut qu'on sache parce que ça fait gagner beaucoup de temps en cas de speedrun. Vaste connerie. On va bien galérer maintenant. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Oh, j'annonce, c'est la merde. C'est la merde. Non. Non. Relâche tout de suite. Tu lâches.
Voilà. Arracher quelques souches, c'était bien. Allez, arrêtons les conneries 5 secondes. Et commençons à essayer de charger. Tout ça pour esquiver de marche arrière, quand même. J'ai quand même fait, j'espère que vous vous rendez bien compte que j'ai quand même fait tout ça juste pour esquiver voilà, une petite marche arrière pour essayer de s'aligner proprement. On s'aligne bien proprement, voilà. La petite marche arrière. Devant ce qu'on met devant. Voilà. On serre tout ça. On passe en mode grue. Ouais, ça fait repasseur. Ah non. Ah non, mais ça c'est notre joystick de gauche. Pas grave. Je m'aime beaucoup. Je crois que je prends que du rondin standard. Monsieur, s'il vous plaît. Ah d'accord, je crois et puis Osef. Ok. Bah non, oui, non, j'ai eu. Ah merci. Incroyable. Super. Ouais. Ouais, super cool. Alors j'ai pas eu les 3, tant pis. C'est quand même plus beau quand on arrive à avoir les 3. Non, c'est à toi de te relever, voilà, ouais, ouais. Alors, ça a l'air d'être un peu technique là. Ah non, c'est bon. Les dernières, je les ai mal pincées, tout ça, ça allait mal tourner cette histoire. En fait, non, non, très bien, très bien. Ah, parfait, là je crois ça. Ouais, 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 reviens, reviens. Hop là, chargez ma gueule. Hop là. Hop là. Bête pas tout. Voilà. Bien joué. Lâche. Arrête de faire le coup, Marthe. Oh merde. Marthe. Ah Marthe. Arrête tes conneries. Alors j'ai ruiné le speedrun. Oh là là. Oh là là. Ah, je me sens comme Todd Howard sur Fallout 76, c'est terrible. Ouais, c'est bon, c'est rempilé. Non, bah, attends, fou, peut-être pas rêver non plus. Non, le développement différentiel plutôt. Que je vais galérer avec lui. Il n'aime pas trop le poids qu'il a. Ah, c'est vrai qu'il s'enfonce énormément. J'avais oublié tout ça. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à Speed Tire Mad Runner. C'est chaud. J'avais oublié à quel point c'est vrai qu'il il avait tendance à s'enfoncer comme un porc. Dès qu'il était un peu surchargé. Il était en rondin moyen. Quoi. Ah, là, là. On découvre le jeu. Hein, c'est incroyable. Basic. Et en roulant à plus, hein, dès que c'est pas full boue, ça va. Ouais, c'est bizarre, le différentiel, j'ai plus besoin de l'enlever, hein, c'est bizarre ça. Alors, arrête-toi ici. Là, il y a un chemin. Oh, non, mais ça, c'est un faux, il y a un usage de faux, ça, c'est certain. C'est certain que c'est un faux, il y a un usage de faux. Oh, je veux juste jeter un œil. C'est bien, je pense que c'est un faux. Parce que c'est un piège.
Je vois en vrai qu'en termes de carburant, j'ai déjà plus de tarif. Faudrait que je transforme un de mes camions en carburant. Je sais que j'en ai un sur la ligne d'arrivée, normalement, si je dis pas de bêtises. Il y en a un là. Ouais. Non, c'est une remorque de réparation. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ah, je l'ai genre posé là comme ça? D'accord. Ah oui, c'est vraiment, j'ai mis un camion au milieu comme un cochon. Hein. J'ai vraiment fait ça comme un sac, c'est magnifique, c'est incroyable. Mon 4310 s'il te plaît. J'ai l'impression de demander mon Nokia. Mon Nokia 3310 s'il vous plaît monsieur. Hello. Oui. Toi t'es équipé en... Et pourquoi l'autre il est équipé en... Attendez, hein, je me bats avec moi-même, je vais y arriver, vous inquiétez pas. Non, je veux pas démarrer le moteur. Vas-y, démarre le moteur. D'accord, tu m'emmerdes. Allez, salut. Voilà. Enlève-moi ça. Remorque à bois moyen, c'est attaché. Enlève-moi ça. Ça, c'est des conneries. Moi, je voudrais que tu prennes du carburant. Donc, si tu prends du carburant, c'est forcément en tirette. Genre, t'es autant que ça un gros camion de ses morts. C'est possible. Hein. C'est vrai que t'es un peu un gros camion de ses morts. Hein. Virage de l'extrême. Ouais, on peut pas virage de l'extrême plus que ça. C'était bien. Alors, tourner roue, ça prend 3 quarts d'heure. C'est top. C'est vraiment top comme camion. Voilà. Bah, on va mettre deux camions de carburant, hein, y a pas de raison. On peut se le permettre, on va se le faire. Hein. On a assez de camions pour faire tout ça. Le K700, je crois qu'il est planté au milieu du décor, pareil, pour tirer des camions si jamais c'est nécessaire. Ouais. En sachant que le K700, c'est quand même pas le top pour ça, mais bon. Bah, il est bien pour tirer les camions, le problème c'est qu'il est tellement pas large que de faire circuler sur des... Ouais, c'est bon, calme-toi. J'ai ma petite gueule, bravo. Je suis fier de toi. Mec, c'est de la route. Tu patines sur de la route. Oui, je pète un plomb, quoi. Donc je bloque le différentiel pour qu'on roule tous à la même vitesse. Oh, c'est terrible, hein. C'est terrible de nullité quand même. Ça va, c'est du bon bitume, c'est du bon bitume, ça va aller. Bon bitume, hein. You know the bon bitume? Eh ben c'est du bon bitume, hein. You know that, hein. Pas la route. C'est terrible, hein, ce qu'il aime pas la route. Hein. Voilà, c'est calé, monsieur est rangé, c'est parfait. C'était mon 4310, s'il vous plaît. Mon 43. Non, je t'ai mort. Alors, en fait, c'est qu'il faut que je déplace la souris, sinon ça pète un plomb, non, c'est ça. Mais arrête de péter un câble. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais donne-moi. C'est mort. Ouais, ça passe près. Ouais.
Ouais, sympa ce crème. Moi j'y crois mort. Ça c'est de la branchette, il passe sur de la branchette par contre ce camion. Tranquillement, hein. Très sereinement, il n'y a pas de problème. Allez, remets-moi ça. Blocage différentiel ici, ça va bosser un peu. Voilà, très bien, regardez-moi ça. Voilà, il roule comme si c'était du bitume. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vas faire? Qui peut l'arrêter? Qui peut me tester? Personne, évidemment. Stopper là, plus personne. Incroyable. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Excusez-moi, je vous pousse un peu. Voilà. Est-ce que. Est-ce qu'on peut changer de camion? Change de camion. Tac, remorque de carburant. Oui. Si tu veux pour toi aussi, comme ça t'arrêteras de me poser la question. Voilà. On change de camion. Oui, l'autre là. Ouais, là, parfait. Avance un peu mon pote. Voilà, mets-toi dans le plombier. Ah, il m'a mis en. Ok, d'accord. Il m'a remis en boîte automatique. C'est génial, c'est génial. Le D538 s'il vous plaît. Paf. Il a pris déjà une petite gifle en carburant. Ouais, écoutez, ouais pourquoi pas. Il fait tourner tout le dingue. Alors toi tu fais juste pas mal de carburant. On va peut-être faire d'abord un tour Jean-Michel carburant. Je me demande si c'est pas une remorque à... C'est une remorque à rondin long ma gueule ce que t'as Moi ça fait un certain temps, je ne sais plus. Je ne sais plus, qu'est-ce que tu as? Une chargeuse? Ouais, non, mais ça on s'en fout. Non, c'est du moyen, ok, très bien. Ouais, excusez-moi. Hop là, ouais. Pas de soucis. C'est du Honda moyen. Cette remorque allait avoir de très larges roues, ce qui fait qu'on ne peut pas rouler vite avec. Les pneus sont relativement assez lisses. Mais alors par contre, tu dois jamais t'enfoncer avec cette remorque. Hein. Je pense qu'on va pas tarder à vérifier l'info. Automatique ici, ça suffira largement. Je viens de passer la première, je vais lancer 3 litres là. 3 litres par la fenêtre direct, plus 4. La consommation. Et 5, 6, 7. C'est ouf. La consommation du truc quoi, c'est complètement dingue. Oh ouais, wow, ok, c'est bon, j'ai compris que t'avançais pas. Okay. Ça marche. Ah oui, bien sûr, t'es le camion, si je t'enlève l'intégrale, t'avances plus, c'est ça. Oh, ça va. Ça va. On va faire quelques économies parce que là, quand même, c'est fou. Hein. C'est fou ce qu'il balance par-dessus bord en termes de carburant lui. Réservoir 200 litres sur les côtés là. Sacré bourre. Okay. La nuit tombe. Ah, la bonne petite traversée de nuit, vous la sentez ou pas? Est-ce que vous la sentez arriver? Bon, par contre, il est vachement pratique hein, parce que bah, son moteur est très haut. C'est con, hein, mais vu que son moteur est très haut, bah, du coup, c'est très appréciable.
en première. On ira plus vite. Ou alors en auto peut-être. Peut-être que finalement en auto... ça j'ai envie de dire ça change plus rien en fait. Tu roules en première ou en auto, ça roule pareil pour lui en fait. ça change rien. C'est un peu normal aussi. Parce que du coup il reste en première. Reste dans le chemin. Il devait rester à peu près dans le sillon qu'on a creusé. On pose quelques branches dans le terrain, ça sera très bien. Voilà. Oh, c'est un siège inversé sur le côté. Oh, c'est le gros style. Hein. On a un espèce de récupération des gaz là derrière, c'est ça? Non, parce que je laisse la vitesse comme elle est. C'est quoi? C'est ça, récupère les gaz là derrière? Ouais, ça a l'air hein. J'entends en train de vous endormir. On réveille un peu. Ah, c'est bien les intérieurs russes, hein. C'est sommaire. Hein. Finalement, les Russes sont très à la mode, ils sont dans le style épuré. Voilà. En toute simplicité, il faut épurer. Ça arrive en plus. Les Russes sont des poètes. Parce que t'as décidé de passer la deuxième, c'est ça? Juste ça. Ok. Ouais, donc en fait, votre auto inintéressant, c'est formidable. Mais ma chargeuse à la con, là, pour atteindre ma remorque, on va bien se marrer, hein. Ouais, ou pas tendu, ouais, non, ça va le faire, en fait. Ouais, au lieu de devoir coller les rondins, ouais. Bon, tout va se faire, ça va se faire. Et j'ai intérêt de bien prendre mes rondins par le centre, parce que sinon, je vais m'emmerder. Ce camion hein, vif hein. Hey, vous voyez le côté positif hein, autant on a galéré dans l'autre vidéo autant là si on a l'air de ramer on va avoir nos deux chargements d'un coup on rentre chez Tata et c'est fini hein. Et c'est fini hein. Là c'est fini dans 3 minutes rajouter peut-être à zéro derrière au moins. Ouais, c'est un peu long mais c'est bon, c'est ça qu'il faut se dire. Arriver, hein. Je vous jure, on va charger du coup. Hein. Ça va être fou. Ah, puis il va falloir que je fasse la petite marche arrière et tout avec ce captar tout droit. Bah, allez, c'est parti. Ouais, alors je prends très très large. Hein. Gros F. Hein. Bon, on va passer en automatique pour faire les marches avant, marche arrière, ce sera plus pratique. Voilà. Alors ouais, il y a des rondins là, à ce qui paraît. Enfin, il y a des troncs par terre. Voilà. Ce camion n'en a rien à foutre. C'est juste ça. J'aurais dû commencer par venir avec ce camion pour expliquer à tout ce bout de bois là qu'on en a rien à foutre de leur vie. C'est très important. Alors les roues bien droites et on ne bouge plus. Ah là là, même la remorque est longue. Non mais j'ai dit on bouge plus quoi. C'est quoi ce camion avec des énormes roues qui pèsent 15 tonnes et qui est pas foutu
se maintenir une direction. Pourquoi, pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Ah oui, puis en plus, oh putain. C'est un peu chiant. Alors attends, il faut que je casse dans ce sens là. C'est chiant. Parce que voilà, c'est la double casse, voilà. Voilà. En fait, on l'a traîné. C'est génial. Alors on va continuer. Oh, regarde, on va continuer comme ça, voilà, voilà, parce que j'en ai rien à foutre. Tu vas te redresser. Est-ce qu'on est redressé? On est redressé. Tu remets tes roues droites. Tu recules un bon coup. Allez, Martin, tu peux le faire. Ouais, c'est pas mal, ça se barre un peu. Ça se barre un peu, voilà, mais du coup pas plus que ça. Hop hop hop, on tire encore un coup. Hein, expression hein, bien sûr. Calmez-vous. Tac, tac, non c'est pas ça, c'est on passe en mode grue. Oui, 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 non mais tout à fait, calmez-vous. Calmez-vous monsieur. Ah ça, ça, ça suffit, merde. Formidable. Par contre cette pince est assez désagréable parce que le, enfin, la caméra est vachement basse. Du coup c'est pas ouf agréable. Bon en même temps je pourrais faire ça, j'avoue, je verrais mieux. Attends, ça se calme, ça stabilise. C'est bon. Ok. Alors, on pousse vers l'avant. On tourne nos rondins. C'est très bien. On se calme, on se calme. On se calme. Non, non, tu remontes. Voilà. On se calme. On les met bien droit. Mets-les bien droit, s'il te plaît. Dis-moi que c'est bon, hein. Que j'ai pas besoin de les mettre encore plus au centre. C'est bon. Ils sont well, ils sont play, ils sont well play. Quoi, quelque chose bloque la zone. Mais non. Mais non. Je suis mort. Ah et ma pince elle reste dessus. Alors moi si ma grue elle reste dessus. Ah, merci. Sinon j'allais dire je m'en fous, moi je la plaque sur le bois, comme ça le bois il bouge moins et ça va très bien. Allez. C'est parti à l'aventure compagnon hein. Bon bah, bah voilà. Par contre c'est bien ce que je pensais avec ce camion hein. C'est chargé ou pas chargé, il roule pareil hein. Il s'en pète hein. C'est, non c'est 15 km/h quand même dans tous les cas. C'est... Alors un petit peu d'ambiance sonore. Non parce que je pense que c'est important de vraiment rendre les sensations. Histoire que dans 2h30 quand le let's play est fini, vous soyez sourds comme des pots, un peu comme moi. C'est à dire que vous vous retrouvez à gueuler, voilà, très fort. Mais au moins bah, vous entendez. Enfin voilà. C'est top hein. On va peut-être vous épargner ça, c'est bien considéré. J'espère bien sûr qu'aucun d'entre vous n'a fait la folie d'écouter cette vidéo avec un casque sur les oreilles. Pauvre fou. Bon, normalement, de toute façon, plus le temps de chargement du WAB et compagnie, je pense que déjà les... tout le monde a rage-quitte. Si tu n'as pas rage-quitte, mets un pouce bleu à ce stade-là, je pense. C'est que tu as le courage de voir vraiment la livraison de bois, hein, tout le monde le chargement, slash livraison. Tu les embrasses. Mais tu n'existes pas, je pense. Voilà, sur ce débit. Tu patines un peu là, hein. Ce que tu me poses mon gars, j'aime pas très très beaucoup ça. Hein. Calme-toi. Hein. J'ai fait le plein juste avant et je vais être en dessous de la moitié de mon plein quand je vais arriver au mec. Vraiment. Quand je vais arriver au moment de faire le plein, je serai à la... La vie c'est de la merde. Hein. En plus on va commencer l'épopée avec ce camion là puisque comme on le sait, bah, on a un peu plus de marge de tolérance. Ah, on a compris qu'on était à la moitié de votre cul, hein, monsieur. Pas de soucis.
Ouais, parce que bon, voilà, on sait que bah, déjà il tire, hein, y a pas de souci, hein, donc y a pas d'embrouille là-dessus. Je devrais même tirer directement l'autre camion. Ce serait fou. Ah ouais, est-ce que je peux faire un convoi à la Bob? Parce que ça, c'est le style de Bob. Bob, le mec, quand il speedrun, il a la bonne technique de tirer deux véhicules par deux véhicules. Hein. Très bonne idée en soi. Hein. C'est pas le problème, hein, c'est que je pense qu'on perd du temps avec cette technique là. Là, en fait, là où on perd du temps, c'est que vu qu'on a un véhicule qui traque l'autre, mais vu que dans ce jeu, l'autre véhicule a le moteur allumé, en fait, est-ce qu'on perd vraiment du temps? Bon, pas de question. D'après nous, on gagne du temps. Mais, moi je dis l'idée est bonne, après, hein, tu fais qu'un seul aller-retour. Sur ce genre de map bien chiante, tu fais qu'un seul aller-retour, c'est bien. Les maps où tu peux essayer de gratter comme le marais, où tu peux essayer de gratter sur ta boîte de la vitesse à fond aussi. Je sais pas s'il y a deux véhicules, tu t'en sens, c'est intéressant. On va tâter d'avoir deux véhicules qui ont la même puissance. Si tu commences à traîner réellement un poulet derrière toi, je sais pas si c'est cool. Mais bon. Voilà, quoi qu'il en soit, vu qu'avec ce con on n'avancera pas plus vite, autant tirer l'autre. Voilà, parce que bon, lui finalement, je peux attacher 4 camions derrière, il roulera à la même vitesse. Hein. Je peux le décharger, il roulera à la même vitesse. Je jette la même vitesse. Il tire toute la réussite, c'est la même vitesse. Ça ne change rien. Le camion n'a qu'une vitesse. Il va toujours à la même vitesse. Quoi que tu mettes, une vitesse. Ah, j'avais commencé à vouloir me faire un café, du coup je l'ai pas fait. Ah, merde. Ça, c'est la tristesse. Bonjour, tristesse. Du coup, j'ai pas de café là. C'est le drama. Est-ce que je vais vraiment faire une vidéo sans café? Ou est-ce que je vais vous faire une narfang? C'est-à-dire que je vais à un moment donné arrêter un camion pour aller me faire un café. Dans les commentaires, vous pouvez mettre 1 à ce stade si vous pensez que je vais m'arrêter au niveau du camion d'essence pour faire le plein et en même temps faire un café, ou deux si vous pensez que non, je vais continuer ce let's play incroyable. Voilà, et n'oubliez pas le pouce bleu, hein, si vous l'avez toujours pas mis. Incroyable quand même, des vidéos comme ça qui rament du cul et tout, c'est cadeau, c'est cadeau. C'est pas du tout ma carte graphique qui est en train de mourir, tout va bien. Carte graphique et processeur. Les deux sont leur life. Voilà. Je vois tellement la capture ramer, c'est fou. C'est fou. Je vois une capture qui rame. Même toutes les jauges qui rament alors qu'il est prioritaire à nouveau sur le processeur. Parce que ce jeu, j'avais oublié de le faire, c'est pour ça que beaucoup des vidéos ramènent. Je pense que d'ailleurs, faudra que je réessaye du DRG parce que beaucoup de vidéos rament. Ah, on y arrive, hein. Il me reste un quart de carburant, un tiers, allez, un tiers de carburant. On n'est pas encore arrivé, attention, hein. Quand on sera à côté, il restera plus qu'un tiers. Non, il reste plus qu'un quart, hein. C'est ça, hein. Sur 400 litres, 105. Hein. Un quart de carburant pour faire ça. J'ai bien fait de mettre le 73-10 au milieu de nulle part. Je sens que c'était une excellente idée de ma part, vraiment. Je pense que c'était Jiffy des idées de génie. Changeons de camion. Ah, je peux pas le charger, il est trop loin. Il est collé à la remorque. Mais non, je ne... Mais en fait, il est trop loin. Hein? Ah oui, oh, ah non. Je le poussote légèrement. Bah c'est bon, ça passe. C'est bon, je suis assez près là. Quart de litre d'essence. Non, non, reste frais. Changer de camion.
ça sent pas. C'est parti. Alors, par où je passe déjà moi? En suivant le maximum, la ligne d'arbre, puis en allant vers le îlot là. Et je devais pouvoir passer tout droit d'ailleurs. Parce que depuis le début je m'emmerde, mais je pense que je dois pouvoir passer tout droit là. Depuis la route, parce que je vois qu'il y a pas mal d'arbres. Des petits buissons et tout, on doit pouvoir passer par là. Je suis en train de faire une connerie, hein, 800%. Hein. Parce que ce qui m'intéresse, c'est pas de rejoindre ça. Ah, quoi que si. Quoi que si, ce petit îlot de boule à droite devant. Allez, allez, on teste des choses. Et là, on teste. Mais pour moi, là, il y a du tir en dos et c'est pas une bonne idée. Hein. Voilà, ça a tiré de la flotte, mauvaise idée. Mauvaise ou très mauvaise idée? Ok, très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Ok, ok. Ah, c'est bien. Oui, je touche pas grave. Hein. Je peux pousser. C'est pas très grave. Bon, on va arrêter avec les tests à la con, surtout que ça se trouve que je l'ai déjà testé dans la vidéo d'avant. On a des tests à la con, hein, vous l'aurez compris. Ah, je vais vraiment retourner ma remorque de bois là. Ok, on change de camion. Intégrale. Marche arrière. On enlève le frein à main. Va falloir trouver un moyen de faire un truc plus smooth. Hein. Ok. Ça me paraît bien, on change de camion. Superbe idée le convoi. Hein. Bab, si jamais un jour tu cliques sur cette vidéo, superbe idée le convoi. Hein. Tu sais que tu sauras que ça va éviter quelques instants d'emmerde très embarrassants. De type être obligé de faire de vite. On charge du bois. Ok. Alors moi je kiffe ton angle de braquage. Moi j'y crois pas. Le braquage, je pense que tu peux faire des trucs. Hop, tourner. Peut-être. Essaye de tourner. Sac à merde. Tourne, bordel. Ah non, mais là on est vraiment focus sur le cul quoi. Pas avoir une un peu smooth. Bon ok, pas smooth. Bon ouais, ce qu'on va faire, alors déjà on va se remettre en première, premièrement. Et puis on va te repasser son même pote et on va te tirer. Il y a de l'eau à ce qu'il paraît, lol. Dépiffler sa race. Ah race c'est bon. Sérieusement, je suis vraiment coincé là. Alors ça c'est très rigolo. Ça c'est très rigolo. Ah, parce qu'en fait je suis coincé 0, on est bien d'accord. Le bot là-bas il est coincé. C'est fou ça. Change de camion, t'es vraiment bloqué là?
t'avais pas l'air bloqué ma gueule. Non, c'est ça, t'es bloqué que dalle. Qu'est-ce qu'il me fait l'autre? Marche arrière, je comprends pas. Là, il fait une marche arrière, pourquoi? Le jeu t'est bugué. Si je mets mes roues droites, t'avances? Non, il veut reculer. Et là, c'est lui qui me treuille. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Alors, ça. Oh, je veux pas le savoir, hein. Merde. Hein. Soulé. Allez, soulé. Bravo. Bravo, bravo. Fallait le faire, hein. Je l'avais fait, c'est beau, ça fait plaisir. Où est-ce que je traversais? Bah ici en fait, de toute façon, c'est trop bien pour rien. Hein. Sur ma droite, un peu plus sur la gauche, je ne sais plus. Mais avant d'aller plus loin, il faut que je change de camion. Cool. Oui, t'es sur ta marche arrière, on sait pas pourquoi. Mais t'es sur ta marche arrière. Et c'est très rigolo. On ne sait pas pourquoi. C'est très étrange. Le jeu qui avait décidé. Ah, peut-être parce que l'angle de braquage était trop élevé. Je vois que ça comme explication. Fait que t'as pas aimé. Ok, tu roules plus loose dans l'autre, dans la boue, ça c'est rigolo par contre. Ta merde, roule. Convoyer d'autres véhicules, c'est aussi un entraînement, hein, visiblement. Je ne maîtrise pas. Donc là, on va avoir un petit dénivelé net d'un coup. Il y a moyen d'esquiver tranquille. Ah, ah, ah. Ça se fait, ça se fait. Ah, ça s'est fait quoi. Très étonné. Je m'étonnais. Ça s'est fait. C'est beau. Quoi, hein, dès qu'on arrête de rouler comme un connard, on passe des fois. Hein. Des fois. Des fois. Je vais un peu là, ça ramène un peu là. Là faut éviter qu'on ait trop de distance évidemment. Calme-toi, toi. La direction foireuse, non?
partir de là, j'ai envie de dire c'est tout droit. C'est ça. On va jusqu'au K700. Non. 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 Oui. Oui. Si. Je serai à la moitié de mon carburant à mi-chemin, quoi. Ça risque d'être un peu short assez vite, hein. Faut pas que je regarde la remorque. La suite. Les roues sont larges, j'ai pas de problème. Je suis en train de me dire merde, elle va se casser la gueule. Ah, ah, on a fait un petit dommage. On a deux dommages, ça va. Ça va. Ah, il est moins haut, hein. C'est moins ça. Puis le problème, c'est qu'ils vont se couper un peu dans l'eau. Un peu plus que prévu. Oh, ça va, ça va. Calme-toi. Encore mort. Bon, alors, si t'es encore mort, ça va. T'inquiéteras quand tu seras mort. Eh bien, ça se passe plutôt très bien pour l'instant. J'ai envie de dire, ne parle pas trop vite. À tout moment, ça peut dégénérer. J'ai envie de couper, mais je sens la connerie venir grosse comme c'est pas permis. Parce que là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de tirant d'eau très fort. Il y a beaucoup de déchets d'arbres, etc. Petit îlot, petit bout de bois, machin. Je me dis qu'il doit y avoir moyen de couper entre les deux, vraiment par ici. Ah, il y a un peu de tirant là-haut. Que ça fait pouf ou pas, hein. Hop, hop. Ici ça a l'air d'aller. On va aller faire pouf plus que ça. Là par contre on va tout seul, hein. Bon, ça va pouffer un peu peut-être. Bon, ça va. Ça va, ça va. Ça va se faire. Ça va se faire. J'avais envie de dire ça, c'est fait. L'autre derrière, ça reproduit. Oh, c'est bien. Je pense qu'il reste un bon pied. C'est ce qu'il fallait faire. Par contre, la traversée de Mondain. Non, bah normalement, l'autre il est bon en traversée de Mondain. Je me fais vraiment arrêter par un rondin là. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est bon, il avance. Lol, c'est vraiment moi qui me fais arrêter par un rondin. Vas-y, deux secondes, hein. Passe. Ah merci. Ouais, merci, ouais. Ouais, ouais. Ouais, genre c'est un rondin qui m'arrête, ouais, merci. Ouais, lol. Lol, c'est quoi ces conneries? Merci. Lol. Bon. Et je suis trop loin de mon pote derrière, c'est génial. Oui.
complètement. Je suis très étonné, hein. Je pensais qu'il galérerait encore plus pour traverser, mais non, finalement ça va. Changer de camion sur, avec le. D'accord, merde. Voilà. Hop. Voilà. Ok, c'est parti. C'est parti. Par contre, là, le chemin de travers, je sais plus où il est. Regardez ça. Il départ au bout de la gauche. Attends, je dirais que c'est plutôt, plutôt calme, ça n'a pas l'air plus profond. Ça passera. Comment t'es passé ma poule? Nickel. Allez, ramène-toi un peu plus près. Sur la suite, il va pas falloir qu'on déconne. Ah, niveau de dangereux, attention. La petite pause carburant, bien méritée évidemment. Déporter avec nos groupes de ces morts. Ah oui, non, mais il faut que j'avance à hauteur de la tête du véhicule. Ouais, allez, on va boire un petit peu la tasse sur ce coup-là. Ouais. Je suis bien d'accord. Donc il va pas aimer hein, derrière, hein, j'annonce. Ah, je suis embordé là? Oh merde. Tac 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 tac, changer de camion. Voilà, superbe. Citerne de carburant. Oui, le... Non, non, mais non, merde. Oui, vas-y, mets-toi tes nuits, connard. Le camion qui est derrière, ça serait très bien. Il y a peut-être moyen de passer par un truc plus smooth, hein, genre à gauche en fait, mais bon. Ouais. Visiblement, je suis un peu d'arbre, donc je vais faire ça juste pour moi. Ouais, non, pas toi. Le 4310. Je te demande toi comment tu. A plus beaucoup de carburant, hein, donc de toute façon on va falloir faire une halte aussi. D'accord. T'as plus que rien pris en dommage, y a pas de problème. Non, pas toi, toujours pas. Faux. Fais un changement de camion. Hein. C'est vrai qu'il prend toujours le dernier camion. Par où je suis passé à partir de là. Je crois que c'était angle droit. Et je crois que du coup...
coup je suis allé trop loin déjà. Est-ce que j'ai déjà fait de la merde? Autre question. D'accord, on n'est pas du tout dans la merde, tout va bien. Change de camion. Déjà. Ça a l'air bien. Ok, on n'a pas l'air d'aller beaucoup plus loin. C'est vraiment. C'est chaud. Mais non, mais arrête de vouloir trop charger tout le temps là. Vas-y, reste. C'est bon là, c'est assez près. Mais... Ah, mais t'es bon. Voilà, mets ton frein à main. Voilà, il souffle personne. 538, ça a l'air d'être parti pour être la grosse galère. J'ai l'air d'être bien lancé pour là. Allez, c'est parti. On est en train de faire une marche arrière, sinon je te défonce. Ouais, c'est le tout là. Pas très très bon tout ça. On peut revenir par là. Ouais, c'est bon. Ça va, ça va. Faut que toi tu suives derrière, sinon c'est bon après. Ok. Alors oui, ok, vous poseriez la question. Oui, mes trajectoires sont dégueulasses. Ça là-dessus on est tous bien d'accord, il n'y a pas de problème. Je devrais pas me faire chier dans les rondins. C'est un peu en bloqué un des deux. On va rentrer là-dedans. Voilà. On avance tranquillement. Ça se fait quand même hein. Petit point de ravitaillement un peu complexe, mais ça se fait quand même. Ça s'est fait. Avoir l'air con. Ouais, on plonge. C'est un peu le problème. On va m'attarder à réémerger. Avec le contre-courant, on sait pas si on avance. Hein. C'est toujours un peu compliqué. J'en connais un derrière qui va pas du tout aimer cette phase là. Désolé, vieux. Il est collé comme ça à moi. On va jouer déjà. J'ai l'impression qu'il est en train de me gêner plus qu'autre chose.
Est-ce que j'avance encore en fait? Non. Donc je suis en tartuflé. Très bien. Pourquoi l'autre il est collé comme ça à moi? Changer de camion. Avec toujours cette bonne boîte automatique de ses morts. Voilà, merci, top. Alors, on a l'air de pouvoir tourner. Je dirais que j'ai percuté un caillou. C'est bon, on a avancé là. Un petit peu là. Un petit peu. Ok. Et arrête avec cette merde. Mec, pourquoi t'avances plus? Quoi ces conneries? C'est que ces conneries? Ok. Non mais coupe ton moteur, c'est bon, hein. Arrête tes conneries, on a compris. On a compris que tu passerais pas là. Hein. Pourquoi? Pourquoi avant tu passais là et pourquoi maintenant tu veux plus passer, genre Jean c'est la teuf? Genre on dirait qu'il y a vraiment un mur. Il y a vraiment un truc qui m'empêche d'avancer. Je comprends pas. Je comprends pas et je vais pas insister plus que ça. On va, voilà, on va passer sur toi. Alors, tac, pas de marche arrière, voilà. Toi aussi tu t'es embourbé là, c'est quoi l'histoire? Que je m'obstine à vouloir prendre un chemin que je ne devrais pas prendre. Okay. On va dire que je m'obstine à prendre un chemin que je ne devrais pas prendre. Ça a l'air faussement plus calme là-bas, surtout c'est ça qui m'emmerde. C'est que ça a l'air plus calme, mais c'est pas le cas en fait. Ça va être, on est bien là où je passe tout le temps. Il n'y a pas de. Ah non, normalement je passe plus, plus je coupe comme un. Ah, d'habitude je vais pas sur celui-là. Voilà. Voilà. On a trouvé le pourquoi du comment. Allez, recule. Allez, recule. Allez. C'est ta remarque de c'est bon. Espérons que ça nous servira. Parce que la traversée nocturne, moi je la sens pas. Ok. On va avancer encore un peu avant de tirer l'autre pont. C'est dangereux. Allez, avance. Ah merde. Non, bordé. Tire la remorque vers moi. Ah bah si je veux pas le savoir.
on ne voit que dalle. You know que dalle, you see. J'ai réussi à traverser tout ça. Pourquoi là j'y arrive plus? À un moment donné ou un autre, je vais être obligé de me taper de la profondeur. C'est pas pareil, là il n'y a pas grand chose, mais là, on pourrait gratter par là visiblement. Ou alors fallait passer comme ça. Je suis passé plusieurs fois là quoi. Je suis passé même à chaque fois ici. C'est fou ça. Oh, maintenant pour faire demi-tour ça va être l'enfer. Et on va tester un autre passage hein. On n'a pas trop le choix. Ouais. Sachant que tout ça c'est des gros trous hein. Je suis pas fan hein. C'est-à-dire vraiment le seul endroit où je peux passer c'est genre là. Il est sorti de l'eau là, pas de cinéma non plus. Ton char baignant. Donc là, on ne voit rien du tout. Ah, il faudrait pas que j'attende qu'il fasse jour. On a déjà regroupé les deux camions. Ok, c'est regroupé. Là, hein. Là ça ressemble à un petit trou monsieur hein. Non ça va. Ça a l'air. Est-ce qu'on voit quelque chose de ce côté là? Non on voit rien et ça a l'air d'être le grand trou là, plus. La moitié coincé c'est ça. C'est le top. Ah et l'autre il est déjà dans mon cul. Ouais, camion qui roule trop vite. Oh, ah tu vas avec ta boîte automatique. Avec ta boîte automatique. J'arrive pas à voir ce que je fais, c'est pas grave, on va tirer comme ça, on va dire que c'est bon, allez. On s'en fout sur un flanc qui tire, voilà. Et c'est très bien. On relâche, monsieur, et on change de camion. Formidable. Hein. Donc, bah là, il faut essayer de voir un fond de T1 et pas se prendre dans ce bout de bois. Ok, ça marche. On va essayer de se faire ça. Admettons. On bascule. Hein. Première. Et c'est parti pour se faire chier. C'est parti. Y'a pas un bout de terre là quelque part autre que genre juste un trou.
juste un trou, c'est quand même pas très convivial. On a l'air de passer, hein. Encore acceptable. Arrête de faire genre on plonge, ça m'énerve. Il y a un bout de terre là juste devant. Oh le mec, le spécialiste des fossés quoi. Et on arrive quand même. Ce sera tout de même une victoire pour Canard. Même pas noyé, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est incroyable. On l'a fait. On a traversé. D'ailleurs, je suis ému, certes, mais on va juste où là? GPS. GPS. Voilà, très bien. Ah non, GPS, genre. Non, là, c'est bien. C'est, ils ont même pensé GPS pour les consoles. Hein? Non. Mais non. Arrêtez ça tout de suite. Arrêtez ça tout de suite, monsieur l'agent. J'ai vos morts. Bon, on va faire un ok, voilà, on va faire ça. Putain, on va tellement se faire chier avec une manette sur une console, j'avoue. Moi ça, j'ai la souris, du coup tout va bien. Ah, je pourrais soit tourner à gauche, soit aller tout droit. Bon, bah tout droit, hein. Vous êtes laissé voir. Patater les terrains en question, mais enfin là, on s'en fout, on passe partout. On a passé le plus chiant, on peut passer partout. Peut-être les passer à part plutôt que d'essayer de les passer à l'autre. Lui déjà que voilà, je suis obligé de le prendre très large. Un petit marche arrière. Voilà, serrer le plus possible à droite. Le reste passe. Le reste a l'air passé ceci. Non mais oh putain, mais tu tournes pas quoi, c'est horrible. Mais fais semblant de tourner au moins, je sais pas. Ah, t'as l'air ridicule, hein. C'est le son de la victoire, ça.
métal. On veut du métal. Vendez le métal. Oh putain, 3h35 minutes, ce qui veut dire que vous avez une vidéo d'environ 1h10. Oh, c'est la réussite. Oh putain. Magnifique. Sur ce, je vais pouvoir aller me faire un café. Je vous remercie, c'était Knarfank sur Code d'Habitude Gaming et on se retrouve très bientôt pour Blackwater, je crois, un truc comme ça. Enfin, je sais plus comment il s'appelle. Black quelque chose, la première map du DLC américain. Je vous dis à la prochaine. Ciao.